Salut tout le monde, c'est Mike Tigra pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui pas de présentation de figurines, mais une présentation d'un nouveau décor fraîchement arrivé. Donc ce décor est arrivé hier en provenance de l'Espagne tout simplement, où j'ai fait appel à un nouveau décorateur actuellement encore méconnu en France et en Belgique, peut-être connu en Espagne, qui sait. Il s'agit de JP Diorama. En fait, c'est un décorateur amateur qui se débrouille très bien dans la texture, etc., comme vous pouvez le constater. En fait, avant d'en arriver au décor à proprement dit, je vais d'abord vous faire un petit historique de ce décor. En fait, ce décor, si vous vous souvenez, ces personnages étaient exposés sur un ancien décor à Kiyo, donc qui était une ruine du sanctuaire, version grise, avec de l'herbe verte, que voici. Regardez, je vous l'ai préparé ici pour que vous puissiez vous souvenir du décor. Donc c'était ce décor-ci. En fait, un jour, je suis tombé sur Facebook, tout simplement, sur, non pas une copie telle quelle de ce décor, parce qu'on a des différences malgré tout, mais je suis tombé sur une reproduction de ce décor avec une nette amélioration quant aux structures, etc. Il faut quand même dire que ce décor de Kiyo est un de ses premiers. Il date, je pense, de 6 ou 7 ans. Voilà, c'est un décor que j'avais fait réaliser, qu'on avait réalisé ensemble. Il avait d'ailleurs réalisé un décor pour lui par la même occasion. On avait travaillé sur les deux décors en même temps. Et aujourd'hui, ben, je trouvais ce décor toujours impeccable pour ma vitrine, mais quand je suis tombé sur l'autre décor, je suis tombé totalement amoureux. Donc voilà, on est parti donc sur un remix du décor existant, et on est reparti sur un décor donc avec des couleurs plus modernes, avec quelque chose de plus contemporain, de plus à l'image des personnages, de toutes les teintes des personnages, et je suis réellement tombé amoureux de cette structure, etc. Donc on va faire un petit tour ensemble. On va vous montrer un petit peu à quoi ressemble ce décor. J'ai pu par la même occasion revoir certaines des poses, parce que comme certains me l'ont fait remarquer à juste titre, le décor paraît plus serré en fait, les personnages paraissent plus serrés. Ce n'est pas totalement faux dans le sens où le décor ici ne possède que 3 marches, tandis que l'autre là possède 5 marches. Vous voyez là-bas sur la gauche, possède 5 marches, donc forcément ça donne moins d'auteur et moins de possibilités de place en fait. Le tout est de poser les personnages correctement pour leur donner vraiment une allure un peu leur donner le plus de charisme possible sans donner trop de surcharge au décor. Bon, il est évident que là je ne pourrais plus mettre de personnages supplémentaires. Là on a vraiment atteint le quota maximum de personnages sur ce décor. Bien que je puisse encore avoir une petite marge de manœuvre, mais bon, il faut quand même laisser place un peu au visuel et non pas surcharger. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu ce qui a été changé. Donc là, on a une nouvelle pose pour Jabu de la licorne, forcément, qui, souvenez-vous, tenait un pilier juste ici à la place de Jun. Donc là, on a Jabu de la licorne, dont la pose me fait complètement craquer. J'aime beaucoup cette pose. Je l'ai trouvée totalement par hasard. Ça s'est vraiment fait tout seul. Je chipotais au personnage et boum, il est tombé dans cette pose et je l'ai gardé. Ikki ne change pas là-bas. Là, on a l'ours qui ne change pas non plus. On a Ban du Lyonnais qui ne change pas. On a évidemment les 4 personnages principaux, Athéna avec Seiya qui protège Athéna de sa main, le grand pop et le dragon qui sont, à mon sens, le Seiya et le dragon, les 2 protagonistes principaux des Chevaliers de Bronze, qui protègent le grand pop et Athéna, dont on voit le grand pop qui quelque part protège aussi Athéna. On a vraiment cette phase protection. Mais maintenant, on ne sait pas s'il a la dague juste derrière la main ou quoi, on ne sait pas. Donc c'est un petit peu le côté énigmatique de la scène que je voulais faire retranscrire ici. Là, on a les 3 aciers. Alors le secret pour ne pas trop bourrer ce côté d'escalier, c'était vraiment de mettre le dernier des aciers en position basse, pour éviter d'avoir une surcharge visuelle, hein. Donc là, on a vraiment les 3 aciers qui sont dans de superbes poses. Là, on a Nachi du loup, hein, donc là-bas. Lui, ça a été pas facile de le poser, parce que en le posant à genoux ou debout, il cachait un petit peu le visuel. Donc là, j'ai dû le remettre un petit peu en retrait, derrière l'armure qui pointe sa flèche sur Athéna, comme on peut constater, hein. Donc voilà, ça c'était pas mal du tout. La pose, j'aime beaucoup aussi. Là, on a de nouveau Ichi qui surplombe son pilier, hein, comme l'autre jour, hein, comme sur l'ancienne version, où il était plus sur la droite, souvenez-vous. Mais là, il part plus sur la gauche. Là, on a Yoga donc avec une tête V3. Donc on a remplacé la tête V1 par une tête V3 qui s'adapte parfaitement, c'est magnifique. Alors Ikki, toujours fidèle à lui-même, hein, posé sur son pilier en retrait. Alors la petite nouveauté ici, c'est Shun et Jun qui sont posés ensemble. Donc on a Jun qui retire son masque, qui est posé contre un pilier, qui regarde vers le bas et non pas vers Shun, qui lui aussi regarde vers le bas. Donc on a ce côté intimidé, ce côté émotion, sentiment entre ces deux protagonistes. On sait tous très bien que Jun a des sentiments amoureux pour Shun, et je voulais vraiment faire retranscrire cette scène de ce côté réservé. Donc là on a Shun qui, on voit bien la chaîne qui tourne autour de Jun avec la pointe dirigée vers le talon de Jun, enfin de l'autre côté du talon de Jun, pour bien dire voilà je te protège, c'est ce côté protecteur. Voilà, donc voilà un petit peu à quoi ressemble cette scène. Je vais essayer de vous montrer un petit peu avec les teintes, avec la lumière, j'espère que ça va bien ressortir, parce que la particularité de ce décor, elle se situe vraiment au niveau des teintes. On a vraiment des teintes qui sont orangées, rosées, avec des lavis et des broches de blanc, de toute beauté. On a vraiment quelque chose qui est superbe. Je suis vraiment tombé amoureux de la structure de ce décor, de la peinture, etc. C'est vraiment quelque chose qui est grandiose. Moi, personnellement, j'adore ce décor, vraiment. Regardez ça. On a vraiment quelque chose qui est très très bien travaillé. On a vraiment quelque chose qui est superbe. Je suis vraiment content de cette nouvelle acquisition qui remet, à vrai dire, un réel vent de fraîcheur dans ma vitrine. On peut remarquer, on a vraiment quelque chose de très coloré, de très posé, de très agréable. Donc ça change un petit peu du gris, du bleu, etc. qu'on a tendance de voir. Regardez les couleurs. C'est très beau, c'est très... C'est très soleil couchant en fait, hein. J'ai l'impression qu'on a un peu de rouge comme ça, c'est très apaisant, hein. Donc on a tous les chevaliers qui sont réunis autour d'Athéna pour la protéger, hein. Toute la partie sanctuaire en fait, hein. Avec les chevaliers d'acier vraiment sur la gauche. Voilà en quoi consiste la petite vidéo aujourd'hui, qui ne va pas durer longtemps parce que bon, on a vite fait le tour, hein. Donc une petite vidéo uniquement pour vous présenter ce décor et vous dire de suivre ce décorateur qui n'est autre que JP Diorama, que je salue au passage, qui habite l'Espagne, qui est quelqu'un de très agréable à discuter. C'est quelqu'un de très compétent, un dialogue très facile, à moins de parler espagnol ou anglais. Il ne parle pas français, donc je vous le dis tout de suite, mais bon, vous avez les traducteurs. Je ne parle pas ni espagnol ni anglais, même si je suis d'origine espagnole, je ne parle aucun mot d'espagnol. Donc la traduction via un traducteur se fait très aisément, donc contactez-le, n'hésitez pas, il a vraiment beaucoup de talent. Voilà ce qu'il arrive à faire. Au niveau des tarifs, c'est très agréable. On ne travaille pas sur des décors qui sont vraiment exagérés au niveau prix. Au niveau livraison, c'est très rapide. Il vous communique un numéro de suivi, etc. C'est vraiment très intéressant de travailler avec lui. Je vous invite réellement à le contacter. Voilà. On refait un dernier petit tour de piste pour chaque protagoniste. Voilà. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de présentation de figurines, cette fois, qui ne sera autre que la présentation de la figurine de Milo du Scorpion version EX, mais OCE. Donc voilà, j'ai reçu la figurine il y a 2 jours et je vais vous la présenter donc, dans une petite vidéo, comme à l'habitude, hein. Donc... restez nombreux, fidèles, parce que la vidéo devrait arriver incessamment sous peu. Je pense la préparer aujourd'hui. Alors une nouvelle vidéo aussi de présentation de ma pièce dans son intégralité arrivera d'ici un jour ou 2 également. Voilà, maintenant que mes travaux sont finis, je pense pouvoir vous représenter ma pièce dans son intégralité, hein, avec les nouvelles vitrines, les nouveaux décors, les nouveaux arrivages, etc. Donc voilà, restez tous au rendez-vous, je vous dis tous à très bientôt. Voilà, longue vie à Saint Seiya, de grosses nouveautés au niveau du Tamashi 2015, on a annoncé toutes les versions Soul of Gold, au niveau des Chevaliers d'Or, ça va être pas mal. Une nouvelle collection aussi de mini-figurines apparemment de style vintage, 10 cm devrait voir le jour. Voilà, ça pourrait éventuellement m'intéresser, histoire de les mettre sur ce fameux mur des lamentations, pour donner un aspect de grandeur encore plus intense. Donc à surveiller, de toute façon je les achèterai, donc c'est d'office quelque chose qui m'intéresse. Donc voilà, on a également une grosse surprise aujourd'hui qui devrait arriver. On parle d'Albior et de Minos, le juge Minos en version EX, donc j'attends de voir. Donc voilà. Alors je vous dis à tous à très bientôt. Surtout laissez vos commentaires, partagez ma vidéo et longue vie à Saint Seiya. Did you see the